go, let it go. Don't let it slip away. Coucou tout le monde, donc je me suis réveillée, je me suis coiffée, je me suis habillée et tout. Donc voilà, donc là je vais aller au centre équestre aujourd'hui. Parce que j'ai mon cours et j'ai aussi préparé les affaires pour la rando. Donc voilà. Et j'ai déjà préparé mon sac et mon tapis et mon amortisseur. Du coup, je vais vous montrer tout ça et quand je serai au club, j'essaierai de vous vloguer un peu. Voilà. Mais le vlog le plus important, ce sera pendant la rando. Où je vloguerai avec mes potes et tout, ça va être drôle, vous allez rigoler, vous allez voir. Donc voilà, je vous montre tout de suite mon sac. Voilà, voilà. Je me présente dans un sac rouge comme ceci. Donc c'est un petit sac de voyage, voilà, vraiment tout petit, hein, pas grand. Donc dans la poche qui est devant, ici là, il y a mon nécessaire de toilette. Ça veut dire mon gel douche. Et ma brosse à dents et mon dentifrice. Parce que c'est une rando et qu'on va pas avoir une vraie salle de bain. Donc voilà. Juste le strict minimum pour un soir. Et va y avoir ma brosse à dents, mais elle ira sur la poche du côté. Voilà. Ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, je veux dire. Mais vu que j'en ai besoin pour me coiffer demain matin, je la mets pas tout de suite dedans. Et après, dans la grande partie, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a. C'est dur à ouvrir à une main en fait. Donc, il y a une peluche parce que je suis une grande fan de peluche. Voilà, donc il y a une petite peluche, donc c'est un petit chien, voilà. Il y a mon duvet que je vais galérer à remettre dedans après. Mon pyjama, comme ceci, voilà. Des chaussettes roses que Molly m'a offertes, un polo rose Fugenza et un pantalon noir au cas où j'ai besoin d'en mettre un autre. Et il y a les sous-vêtements, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est intime. Voilà, voilà. Pour partir à la rando, j'ai pris une paire de chaussettes, donc c'est des roses comme ça avec marqué jumping, un polo rose Fugenza comme ça et un pantalon noir parce que pour les randos, je préfère mettre un pantalon noir au cas où ça salit et tout, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Vous montrer que j'aurai ma veste rose comme ça, voilà. Donc oui, parce qu'il va peut-être pas faire 40 degrés, donc je préfère la prendre, la mettre, voilà, voilà. Et après, voici mon tapis et mon amortisseur. Donc mon amortisseur, c'est mon amortisseur noir CSO qui reste chez moi. C'est mon amortisseur de au cas où et tout. Et je vais le prendre pour la rando parce qu'en rando, si je le salue ou que je l'abîme, bon, j'aurai un peu les boules d'abîmer mon bel amortisseur. Donc je préfère prendre le CSO qui est un peu plus vieux, voilà. Et mon tapis, donc c'est un tapis Sentier de marque Fugenza que j'ai acheté à Decathlon. Donc c'est un tapis à poche, voilà. Donc il n'y a qu'une seule poche de remplie pour l'instant avec mon caouet et ma pochette à nécessaire, indispensable à toujours avoir sur moi parce que j'aurais pas forcément de poche. Voilà. Donc, en fait ça c'est ma poche quoi. J'ai un déo transportable. Une batterie transportable, un stick à lèvres et un truc pour les mains, voilà. Donc ça c'est mon indispensable que j'ai toujours sur moi avec cette pochette là parce qu'elle est trop belle, je trouve, j'adore, j'en kiffe dessus. Donc voilà, voilà. Donc dans mon tapis à poche il y aura aussi ma gourde et des ficelles de ballot. Parce que pour attacher les chevaux à des arbres et tout, il faut toujours qu'on ait de la ficelle de ballot sur nous, voilà. Bon, donc là je suis descendue en bas, voilà, je suis devant la télé, donc là j'ai mis en silencieux pour pouvoir vous parler. Donc faut savoir qu'au club j'ai mon licole, ma longe, ma selle, mon filet, voilà, donc c'est au club. Et les brosses aussi sont au club, du coup je vais prendre celle du club, enfin celle que j'ai au club. Voilà, voilà. Et donc j'essaierai de vlogger au club, mais je suis pas sûre d'y penser en fait. Voilà. Donc je vloguerai pendant la rando, même si je suis pas sûre de penser tout le temps, mais bon. J'essaierai. Et puis voilà, voilà. Au pire, je vous mets des snaps dans le vlog. Ça passe. Voilà, voilà. Bisous. Et on va continuer les jerrycans d'eau. Voilà, voilà.
On a rempli tous les jerrycans d'eau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a pris? Donc, on a pris une laiterie américaine, une laiterie finlandaise, une brosse à crin, une brosse douce, un bouchon. Donc c'est le bouchon de Manon, mais on l'a pris pour toutes les deux. Et pareil pour ces brosses-là, ça c'est la brosse à crin de Manon, mais on l'a prise pour toutes les deux. Ça c'est mes deux brosses, ça c'est ça moi, mais on l'a prise pour toutes les deux. Et après les brosses de Léa, voilà, donc c'est pas très intéressant, un bouchon de tri, un pied. Donc voilà. Donc tout ça dans une boîte qui appartient au club, voilà voilà. Et pour demain, voilà, réglé à la taille de Léa. J'ai ma selle, voilà, donc... Voilà, j'ai ma sangle pour taille cheval, quoi. Je vais vous montrer juste après mes brosses. Voilà, voilà. Donc j'ai mon tapis avec les poches qui ont déjà les trucs de base. Mon amortisseur, mon sac où il y a mon oreiller, mon duvet, enfin tout ce que je, et tout ce que je vous ai montré hier. Et mes deux tapis de sol pour faire mon matelas. Donc voilà. Et moi je voilà, suis prête. Je me suis coiffée, habillée. Donc j'ai mis un polo rose avec un pantalon noir et des chaussettes rose jumping. Voilà, voilà. Je vais mettre cette veste là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je vais bosser, approcher mes tapis, amortisseur, salé, tout et tout. Voilà, voilà. Ouais. Marion. Là, il y a Marion avec Ceti, Manon avec Bambi et moi avec Olga. Et du coup, on s'est arrêté pour. On va manger. Voilà. Marion et Ceti. Voilà. Et moi, je suis là avec Olga. On les fait brouter parce qu'on va les attacher pour manger. Bambi qui mange une pomme. Bambi sait manger une pomme. Là il y a Salto et là-bas il y a Maestro. Et là il y a. Là on va partir. Voilà. Là il y a Marion et Ceti. Là il y a Olga. Voilà. Et on va y aller. Voilà voilà. Coucou, donc là je suis avec Manon et Marion, voilà. Et là on vient de faire un galop, c'était trop bien. Et Bambi est parti en couille. Totalement. Voilà. Et moi je suis avec Olga et elle était parfaite. Voilà. Enfin. En fait derrière il y a Bambi qui l'a poussé un peu, mais bon sinon elle est très bien. Voilà. Bon je vous laisse là. Salut. Voilà. Et c'est couille. Voilà. Et Olga elle est top. Voilà. Et là on est dans un bois. Avec des arbres et des feuilles. Voilà. Manon et Marion, voilà. Donc on vient de faire un galop, c'était cool. Voilà, là on est dans une autre forêt, enfin voilà quoi. Et c'est cool. Et là il y a Olga. Toujours aussi gentille. Voilà. T'es contente? Ouais. Alors, elle est bien cette rando les filles? Ouais. Vous pouvez pas vous emmener. Donc là on s'est arrêté pour brouter. Ah Marion, je suis fatiguée. Même nous c'est un câlin Bambi. Non je crois que c'est tirer les fesses en vrai. Les poneys. Là on va s'arrêter et après on va installer les tentes et tout et tout. Donc voilà. Là, c'est trop beau. Enfin, genre, c'est pas aussi beau que ce qu'on a vu, mais bon, voilà. J'adore, c'est trop beau. Il y a que des roses dégueulasses. Voilà. Là, du plus beau, hein. Oui, ça, c'est sûr. En fait,
coup, donc là, je suis dans la tente avec des folles qui veulent pas être vues parce que ça me plaît là. Et Mathéo au téléphone, tu dis bonjour Mathéo. Coucou. Coucou, c'est moi. Voilà, voilà. Donc la journée s'est très bien passée. Hein. Mais la poche, elle est encore ouverte. Je vous ferai un résumé de la rando à la fin de la rando parce que là, je vais vous laisser. Hein. Voilà. Salut. Voilà, voilà. Le réveil a été, la nuit a été horrible, il pleuvait, il y a eu du vent, en plus on a même pas planté les pieds de la tente, donc bon. Là il y a les poneys. Il y a les poneys, voilà voilà. Là-bas il y a Marion avec Seti et Manon avec Bambi, et là il y a Olga, voilà, et on va y aller, voilà, et le paysage est genre juste trop beau. Donc là on est monté à cheval. Et c'est magnifique, et là, genre là il y a Manon et Bourbon et Marion et Seti, et voilà, et genre c'est trop beau quoi. Voilà. Les choux vous mangent là, et nous après on va manger, voilà voilà. Oh, donc là je suis avec Manon et Marion. Sur un rocher. Et la bouteille cristalline. Voilà. Ceci n'est pas un placement de produit. On n'a rien vu. Vrai, j'en veux plus de ces filles. Donc voilà. Et on a mangé. Ouais. Et c'était bon. Il y avait du fromage. Avec un petit t-shirt nickel. Oh. Voilà. C'est gênant. Mais ouais, fais comme ça. Hashtag top model. Par contre, avant de monter, je vais l'enlever ça. Oui, bah ça. Oui. Non, bah. Ça. C'est Ah oui, donc maintenant. Non mais non mais dis pas ça, c'est dégueulasse. Elle a eu un tic. C'est dégueulasse. Voilà, voilà. Moi aussi, on met mon manteau avant de monter. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Salto ? Eh, Salto ? Tu veux faire ton beau gosse, mais... Je vais faire un petit placement de produit. Il y a Léa, la attendez, on va vous faire... Marion va vous faire le tuto comment... Une bouteille moi, je cristalline. Je suis pour les gens. Attends, moi je suis pour les gens genre aveugles. Ok, comment appelez-vous... Par contre, juste comment appelle-vous... comment tu t'appelles ta communauté ? Attends, j'enlève mon bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment ouvrir un bouchon de chez Cristalline. Donc vous voyez le petit truc blanc qui dépasse ici. Vous l'ouvrez vers l'arrière. Parce que vers l'avant, bah, ça marche pas. Hein. Donc vous allez vers l'arrière et vous allez entendre un petit clic. Attendez, je refais parce qu'on n'a pas entendu. Voilà. Ensuite, vous allez pour le refermer. Vous allez le basculer vers l'avant parce que vers l'arrière ça marche pas non plus. Et là, vous allez prendre un petit clic. Et là, ça veut dire que c'est fermé. Et là, l'eau ne peut pas s'échapper. C'est là où la bouteille était mal barrée. Abonnez-vous à ma chaîne, les tutos de Marion. 91. Voilà. 91. Les tutos de Marion 91. Bah maintenant on a Marion youtubeuse du coup. Ouais, hashtag Marion youtubeuse. J'ai voilà, beaucoup voilà. De personnalité. J'ai mal aux fesses. Bon bah je vous laisse, je vous retrouverai tout à l'heure. Salut. Donc là je suis avec ces deux. Ah, on a retrouvé le téléphone. Là, salut. Oui, parce qu'il était tombé entre deux rochers, du coup je l'avais perdu. Et il s'est retrouvé, heureusement.
Voilà, Olga. Et donc là, on part à pied parce qu'on vient de manger. Et voilà. Voilà la belle. Voilà, voilà. Coucou les filles. Et elle a sauté le port. Coucou Manon. Voilà, où est-ce qu'on est? Attention. Non, c'est bon. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai sorti mon téléphone en fait. Coucou. À la Bambi. En fait, ils expliquent en bas, là, des fois il y a des trous et les poneys ils les sautent. Voilà. C'est génialissime. Attention, il y a un trou. Oula, oula, oula. Ah, moi non. Non, c'est vrai, c'est Olga, il va se donner le choix. Manon, Marion. Donc là, voilà, vous ne savez pas, on avait fait un trou, voilà. Et nous, nos chevaux sont partis au galop. Voilà, voilà. Bon, bah maintenant, je vais vous laisser. Hein. Voilà, voilà. Donc là, on vient de faire un trou sur un chemin par là-bas. Et là, non. Et c'est juste trop beau. On a juste des trop beaux paysages. Donc voilà. Donc là, on a galopé. Et on a trotté. Et puis voilà. Bambi. Marion. Voilà, là on a enlevé les filets, là je suis en train d'enlever la selle, voilà, voilà. Et après je vais lui graisser les pieds et la brosser, voilà, voilà. Et derrière là, il y a Manon avec Bambi. Tu dis coucou Manon? Coucou. Voilà, et c'est la fin de la rando, voilà, voilà. Olga, là, je vais gratter les pieds, je vais pousser les pieds et là je vais la remettre dans son box. Voilà, et elle va manger la cocotte. Voilà, voilà. La petite cocotte. Donc voilà, elle mange la cocotte. Donc là je vais aller ranger mes affaires et tout et tout et tout. Donc voilà. Au revoir Olga. Donc voilà, là je suis rentrée chez moi, la rando est finie. Donc je vais pas vous montrer ce que je vais faire parce que en fait, j'ai juste rangé mes affaires. Enfin, rien d'intéressant, là je regarde la télé. Donc juste, j'ai pas filmé quand j'étais au trou et au galop parce que je trouve, enfin, en fait j'ai peur de faire tomber mon portable. Du coup, et ben, c'est pour ça que je voulais pas. J'ai pas filmé beaucoup de moments parce que justement les chevaux étaient pas forcément très calmes vu que c'est le début des randos. Du coup, je préférais. Il y a des moments où je préférais pas sortir mon portable et faire gaffe aux chevaux
plutôt que de filmer, quoi. Donc je pense que vous pouvez comprendre. Après, moi, j'ai pas de GoPro, donc c'est pas très facile de filmer, de faire des vlogs, voilà. Surtout des vlogs comme ça, quoi. Voilà. C'est pas dans mon... J'ai pas comme projet de m'en acheter une parce que j'aime pas les GoPro. Enfin, je trouve ça dangereux. Celle qu'on met ici, quand on tombe, ça peut nous, genre, nous faire mal ici. Celle qu'on met sur la bombe, quand, si tu tombes, et ben, en fait, elle peut casser ta bombe en deux. Du coup, en fait, ça, du coup, t'as plus rien qui te protège. Du coup, je suis pas du tout pour. Je serais pour acheter celle qui se colle sous la visière de la bombe. Mais vu le prix qu'elle coûte, je n'ai pas en projet de l'acheter. Voilà. C'est un rêve, mais ce n'est pas un projet. Voilà. En gros, je ne l'aurai jamais, mais j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Donc, voilà. C'est tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Voilà. Et je vous dis bisous et à la prochaine.